Alléluia. Plusieurs ici ont
Notre péché a été attaqué. Amen. Et à cause de ça, il manifeste des choses qui sont contraires à nous. Amen. Il manifeste des rejets. La reine de Dieu nous sauve, soit pour nous. Soit demandé au Seigneur Jésus. Viens réparer ou viens penser le cœur de ton église. Amen. Mon cœur de l'église qui a été affecté, qui a été touché, blessé, péché. Seigneur, viens réparer le cœur afin que l'église, alléluia, manifeste les fruits qui manifestaient autrefois, à savoir l'amour. Alléluia. Sois le Seigneur. Parlez le cœur de l'Église et lève la voix de Christ dans le nom de Jésus. Seigneur, je vous le cœur de l'Église qui a été attaqué par votre ennemi, nous bien parler. Seigneur, viens de parler. Viens penser les blessures. Prêt. Thank you.
Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suppose que autour de Dieu a déjà loué Dieu Jésus. Amen. 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 Nous allons passer rapidement à une autre étape. Alléluia. À une autre phase. La phase où vous allez recevoir ce que le Seigneur Jésus a prévu pour vous ce soir, comme une nourriture. Alléluia. Nous allons prier et recommander cette phase-là. Il ne peut quand même pas dire le Seigneur Jésus va passer ce soir. Alléluia. Il est d'abord le premier moment de Jésus. Je vous demande que votre phase, l'enseignement de la même Seigneur Jésus, et tu as le manuel de Seigneur Jésus, d'agir de ta solidarité sur Dieu, d'agir tout simplement dans ta vie, tu as le manuel de l'esprit du Seigneur Jésus, de faire quelque chose ce soir dans ta vie. Vous pouvez prendre
Yeah.
Agis, agis,
ténèbres pures. Quand tu apparais, les ténèbres s'abaissent. Esprit de lumière, tu es là. Esprit de vie, tu es là. Quand tu descends la mort, plus bagage s'en va pour toujours. Esprit de puissance. De cette soirée. Viens pour le contrôle de tout ce qui sera dit. Seigneur, nous ne connaissons pas le cœur, mais toi tu sens lesquels tu connais le cœur. Tu connais la couleur des cœurs, tu connais le poids, oui, du péché dans les cœurs. Alors, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de tout chien, le Dieu de tout âme, le Dieu de tout esprit, nous te rendons toute la gloire, majesté, oh, nous sommes la gloire. Tu es dit, Seigneur, de prendre tout ce soir en nous. Tu es dit de prendre, Seigneur Jésus, Papa, être, notre âme, notre esprit, nous te les consacrons, Seigneur. Papa, ce soir, nous sommes à la deuxième journée du programme de Dieu l'Esprit. Alors, Papa, nous prions. Ce que tu as prévu pour tes enfants ce soir, Seigneur, que chacun reçoive sa part. Que chacun reçoive sa part, même ceux qui sont à la maison. Et pour des situations dont on ne peut pas faire le déplacement, Seigneur Jésus, que Jésus reçoive les paroles. Seigneur Jésus, à la fin de ce programme, nous voulons une église unie. À la fin de ce programme, nous voulons une église forte. À la fin de ce programme, nous voulons une église en puissance. Nous voulons une église victorieuse. Alors Seigneur, accrédite cela par ton esprit. Seigneur, accrédite cela par ton esprit. Que les paroles qui sortiront ce soir viennent du trône très haut. Viens de sa majesté, oh Seigneur Jésus-Christ, qui est comme toi. Quel Dieu est comme toi? Nous avons cherché des dieux comparables à toi. Seigneur, les dieux que nous avons trouvés, c'est les dieux de bois, c'est les dieux de pierre, c'est les dieux de char, c'est ce que nous avons trouvé. Ils ont des yeux mais ne peuvent pas voir. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas nos prières. Ils ont des mains mais ne peuvent rien ouvrir, ils ne peuvent rien toucher. Mais toi, oh Dieu vivant, Dieu vivant, Dieu pour ceux vivants. Seigneur Jésus, celui qui se confie en toi n'est jamais confus. Alors nous confions en toi ce soir. Seigneur Jésus, nous ne craignons rien. L'ennemi ne peut rien contre nous. Seigneur Jésus, tu as parti sur le roc qui est pour là. Alors Seigneur, nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés de ta présence dans nos vies. Nous sommes rassurés de ta présence dans cette église, dans cette nation. Alors Seigneur, ce que tu as commencé, tu l'achèves. Merci Seigneur. Nous lions toute entité. Nous lions toute force. Maléfique, anxieux, ayant pour mission de détruire, de combattre l'œuvre de Dieu. Nous vous enchaînons au nom de Jésus. Soyez enchaînés 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 au nom de Jésus. Vous perdez votre autorité ici. Vous perdez votre pouvoir ici. Vous perdez votre puissance ici. Votre règne. Nous détruisons au nom de Jésus. J'envoie le feu. J'envoie le feu dans votre corps. Partout vous oubliez. J'envoie le feu de tonnerre au nom de Jésus. Je libère le feu de tonnerre au nom de Jésus. Que le cœur de l'Éternel retentisse sa puissance et demandez pour les yeux de l'Éternel qui combat ce programme. Seigneur, tes enfants qui traînent encore les pas, Seigneur, ramène. Ramène le troupeau. La porte est ouverte. Cassez-toi la porte. Seigneur, je te prie que ta main du pauvre berger rachète toutes les brebis qui s'égarent en ce lieu. Seigneur, nous plongeons tout dans ton sang. Et nous déclarons béni ce programme. Au nom de Jésus, nous savons prier. Amen. 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 Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Est-ce que quelqu'un peut dire que moi je suis vivant? Quelqu'un peut dire ça? Je veux une déclaration de foi. Je suis vivant. Je suis vivant. Non, c'est pas comme ça que je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant.
dis, mon frère, je te touche. Je te touche au nom de Jésus. Je te touche au nom de Jésus. Je te touche au nom de Jésus. Touche-moi aussi. Touche-moi aussi. Touche-moi aussi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. À gauche, ils sont en train de à gauche. Amen. Amen. Quand tu touches, tu es béni. Ah, tu m'as touché. Amen. Amen. Soyez béni, soyez béni. Alléluia. Nous sommes très heureux chaque fois, comme le roi David pouvait dire, ils sont venus d'aller dans la maison de l'Éternel. Quelle joie ma vie. Il dit, ce que je désire, c'est d'habiter dans la maison de jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et celui de Dieu habite ici, tous les jours de ta vie. Est-ce que tu désires habiter ici tous les jours de ta vie? Amen. Est-ce que tu es prêt à quitter ta mari pour venir dans la maison de Dieu? Amen. Tu es prêt à quitter ta mari? Amen. Il n'y a pas dit amen. Il n'y a pas dit amen. Alléluia. Amen. En tout cas, nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que chaque jour que tu fais, c'est une bénédiction de tous. Mais la plus grande bénédiction, c'est lorsque nous le verrons face à face. Dis, je le verrai face à face. Je le toucherai. Je l'embrasserai. Je sauterai dans sa main. Elle me placera. Hey. Alléluia. Tu vas voir Jésus comme ça. Tu es dans la Bible. Comme ça. C'est toi Jésus. Jésus, c'est comme ça. Jésus. C'est réel. Jésus est réel. Oh Jésus, il est impatient de l'habiter. Il est impatient de nous rencontrer. Amen. Mais il appelle quelqu'un. Seigneur. Il appelle à tenir. T'appeler dans le bateau dans l'âge. Et cette personne est encore dehors. Cette personne se trouve encore dans les matchs. Cette personne se trouve encore dans la sauce de vie. Cette personne se trouve encore dans la drogue, dans la cigarette, dans la prostitution, dans la méchanceté. On ira la chercher. Et la porte sera fermée. L'apôtre Paul dit, je suis pressé des deux côtés. Je suis pressé d'aller rejoindre le Seigneur, mais aussi à cause de vous, je vais atteindre ma croix dans le corps. Amen. Oui. Sinon, mais moi, chaque fois, je vois, je peux dire rejoindre le Seigneur. Amen. Oui. Mais à cause de certaines personnes, certaines prévues qui ne sont pas encore entrées, alors je dis, Seigneur, garde-moi encore dans le corps physique pour que l'évangile soit riche. C'est pour moi, quand tu te lèves là, Jésus t'a prêté le corps. Tu as compris? Amen. Il t'a prêté les pieds, il t'a prêté les mains, il t'a prêté la bouche, les yeux, pour que tu fasses quoi? Pour que tu fasses quoi? Évangéliser. Vous voyez, c'est petit. Fais quoi? Gagner des âmes. Amen. Tu peux évangéliser ça, gagner des âmes. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est-à-dire que nous, quand nous levons chaque jour, c'est que notre corps ne nous appartient plus. Notre corps appartient à Jésus, puisque nous-mêmes nous sommes déjà au ciel. C'est ce qu'il a dit. Amen. Il dit qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes et nous revenons avec lui. Et là où je suis, vous aussi, vous y serez. Combien? Mais si nous sommes déjà au ciel, amen. On n'a pas besoin de nous fouiller au portail du ciel. Non, nous, non, ça y est là-bas. On a quitté là-bas. On est venu sur la terre. On ne repart encore à la maison. La dernière fois que moi je venais au Cameroun ici, quand je suis descendu dans la salle d'accueil, on a dit tout ce qui est le passeport gabonais est passé. Mais ça, c'est quelle situation ça? Ils n'ont pas fait contrôle. Mais vous, la famille, n'a pas fait contrôle.
aussi au ciel. Parce que tout ce qui se sanctifie passe seulement. C'est comme ça. Nous, on a le laisser pousser. Nous qui sommes sanctifiés. Nous, l'épouse plus sans tache ni ride. Nous, les vierges sages. Nous qui avons accepté la sagesse. Nous qui avons rejeté la sagesse du monde. Et le monde nous a traité de fous. Le monde nous a traité de fort, de perdus, de galés. C'est nous. À qui on va dire au téléjour, un peu seulement, un peu seulement, un peu seulement, un peu. Je ne sais pas si c'est moi, hein. Le même lui-même, le roi ne va pas se lever de son trône. Il va faire entrer chaque personne. Il va te faire entrer lui-même le roi. Il va t'arriver à entrer dans le roi. Amen. Donc chacun va recevoir le roi. C'est pourquoi nous devons payer le prix. Amen. Amen. Le papier doit être à jour. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le papier doit être à jour. La dernière fois, il était parti à l'oreille. J'ai vu une bien-aimée aller sa flèche. Un côté qui est comme ça, l'autre côté est comme ça, et un côté devant. Je dis, mais ça, c'est comme ça. Je dis, mais comment tu vas? Il dit, très bien. Tu es sauvé. Tu dis oui, il y a l'église. Ah, c'est très vite. Ah, c'est bien. Félicitations pour ça. Donc, tout ce qui est pas l'église, ils vont au ciel. Tu es d'accord, oui. J'ai dit, mais c'est très méchant. Mais dis-moi, est-ce que Dieu est appelé à l'église? Parce qu'on vient au ciel. Il dit, l'église, pas le monde. Il dit, ciel. Tu oui. La balise est appelée de bruit. J'ai dit, tu es sûr? Quand on va fouiller, on va pas trouver trop dedans. On va pas trouver au cahier dedans. On va trouver des âmes, du cahier dedans. Elle dit, c'est que ça veut dire quoi? Elle dit, est-ce qu'il n'y a pas péché? Est-ce qu'il n'y a pas mention d'âge? C'est ça qui est au cahier. Alléluia! L'enquête, c'est ça qui est trop. Tu as même ça ici, on va t'attraper, on va te mettre d'abord dans la prison, la petite prison, avant de t'envoyer dans la grande prison. Amen! Alléluia! C'est pour vous dire quoi faire? Que la souffrance soit pour vous une journée souvent. Que la souffrance soit pour vous une source de joie. Parce que quand vous souffrez, le Seigneur dit, c'est que vous passez par le feu. L'or, avant d'avoir de la valeur, doit être prouvé par le feu. Je vous comprends bien. Donc, pour être or pur, de quelle valeur doit passer par le feu. Le feu, c'est la souffrance. Le feu, c'est la persécution. Le feu, c'est les épreuves de la vie. Assez. Amen. C'est pourquoi quand on battait les pieds, c'était compté, c'était fier, il dit, battez-moi encore, j'en veux encore. C'est comme si c'était ivre dans sa force. Ton mari dit, tu es allé où? Moi, je pas dit, il va dire, pas dit, tu vas rester pour moi. Ok, c'est pas grave. Je vais me dire, il dehors. Amen. Je suis évangélisé, je sais que je suis le poisse et ma lèvre. C'est ça, la folie de Jésus. Ce monde est perdu. Je vous dis la vérité. Ce monde est perdu. Ce monde est faux. Le monde est faux. Hier, sur le temps, tout est faux sur le terrain. Les hommes sont faux, les femmes sont fausses. Tout est faux. La vérité a disparu du monde. Et c'est intéressant que nous courons aujourd'hui. Nous courons derrière le mensonge. Nous courons derrière le faux. Et tout le monde acclame le faux. Tout le monde idolâtre le faux. Tout le monde se prosterne devant le faux. Alléluia! Mais nous, nous allons nous poser devant la vérité. Amen. Et c'est la vérité dans laquelle vous êtes. Amen. Et la vérité, la lumière. Amen. C'est pourquoi quand la lumière est venue, c'était le rejeté. Parce qu'il ne veut pas que les œuvres soient vues par la lumière. Amen. Ils ont accepté faire les choses à cacher, sortir la nuit pour aller détruire. Oui, qu'on ne les voit pas. Mais la vérité, si nous acceptons la vérité, nous devons être vrai. Vrai dedans, vrai dehors. Ce que je suis à l'intérieur de moi, c'est ce que je suis dehors. Je ne peux pas être dedans, moi, et dehors. Alléluia! Ça,
Seigneur n'attend pas au ciel. On regarde, c'est-à-dire, on prend ta photo que tu as maintenant là, et on voit la photo qui est écrite dans le livre d'or, là-bas. Et on comprend, dit, mais c'est français. Après que la balle est noire, après que la balle est rouge. Il n'y a pas de problème. Mais c'est moi, non. Mon frère, il faut quitter. C'est pas ça. Suivant. Quand il faut quitter la vie, tu disparais en même temps. Tu te retrouves de l'autre côté de nos amis là-bas, de nos autres amis là. Amen. L'homme là qui l'a, tu dois vous le connaître, non. Amen. Voilà. Ce jour-là, s'il vous plaît, ne vous amusez pas avec vos amis. Ne vous amusez pas avec vous. Laissez-moi vous dire de tout. Regardez le nombre que vous êtes. Dans tout libre vie, regardez le nom que vous êtes. Alors qu'on va se plaindre, on dit, ah, je connais Jésus. Ah, moi, je connais ma vie à Jésus. Ah, moi, je suis disciple de Jésus. Mais en quoi tu es disciple de Jésus? Où est Jésus en toi? Déjà, on préfère avoir un peu Jésus et un peu le monde, un peu. Alléluia! Il dit, tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède. Alors je ferai quoi? Vous savez comment vous voulez quelqu'un? Peut-être que la personne est payée. Ce qu'on veut vous mettre dans la personne, peut-être que tu es dans Jésus avant que Jésus te sorte. Quand on vomit quelque chose, est-ce qu'on peut prendre encore? C'est fini ça. Que Jésus ne vous vomisse pas. Parce que si je suis vomi, c'est fini, c'est qu'il y a rien à vous pour cette personne. Rien à faire. Il dit, je te vomirai. Tu n'es ni chaud ni froid. Alléluia, tu es pas. Tu viens ici le dimanche, ou bien en semaine, tu vas là-bas le dimanche, on te voit de l'autre côté aussi. Et tu es partout. C'est toi qui es partout. Toutes les choses que tu likes. Vous savez pas quand vous likez quelque chose, que vous compensez la chose. Est-ce que vous ne savez pas ça? Quand tu likes quelque chose et que tu confesses, c'est une alliance. Vous savez pas ça? Aujourd'hui, le monde, pour envoûter quelqu'un, pour entrer en alliance, ce n'est pas que je dis j'accepte. C'est que je dis like, ça suffit. Like, il me dit accepter et que ton esprit s'engage. C'est ce que ça veut dire. Simplement. Et les gens rentrent dans les écoles sans le savoir en faisant ces choses. Amen. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous les bien-aimés qui sont venus ce soir, qui n'étaient pas là hier ou avant-hier. Le programme a commencé depuis hier. Mais avant-hier, nous avons fait une rencontre avec quelques bien-aimés qui étaient disposés. Et nous avons présenté le programme. Amen. Amen. Et il est très bon de nous présenter le programme à chaque fois pour que nous prions. Parce que je vais vous dire quelque chose, j'ai eu un songe le matin. Ce qui n'était pas du tout bon. Amen. Oui. En ce qui concerne la mission, c'est pas nous aider vraiment à beaucoup prier. Parce qu'il y a une guerre. Il y a une guerre qui se prépare juste après la mission. Amen. Oui. Mais nous, si le Seigneur a montré cela, nous devons anticiper sur cela. Alléluia. Oui. Parce qu'il y aura des faux frères qui vont s'introduire. Il y aura des fausses conversions qui vont se faire et vont détruire le vainqueur. Mais car à cela, le Seigneur va les frapper jusqu'à la dernière génération. Alléluia! C'est pourquoi je vous prie, je vous invite chaque personne, lorsque vous rentrez à la maison, intestez pour le programme. Dis Seigneur, ce programme doit être un succès total. L'église de Libre doit être désormais remplie. Alléluia! Amen. Rempli des vrais chrétiens, pas des pas remplis seulement. Des vrais chrétiens, des vrais croyants. De ceux-là qu'on veut préparer pour le ciel. Depuis hier, nous avons commencé le travail. Alléluia! Le thème que le Seigneur a inspiré pour ce programme est intitulé Je rebâtirai sur l'ancienne rue. Ou encore, je rebâtirai sur les anciennes rues. Alléluia, c'est une prophétie. La Bible dit, si elle tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut attendre. Car elle court vers son accomplissement. Donc c'est une prophétie qui ne tarde pas à s'accomplir
et qui s'accomplissent déjà. C'est pourquoi je vous prie vraiment à pour le programme sur lui. Alléluia. Parce que, vous savez, je dis à ma chère cœur, 12 personnes éthiques. 12. Et il est parti. Les 12 ont travaillé et ont apporté des millions, des milliards aujourd'hui. Ce que vous voyez maintenant. Donc, le problème, ce n'est pas pour le moment la quantité qui intéresse le Seigneur, c'est la qualité. Le peu qui sera réceptif, qui va recevoir, va impacter le reste. Lorsque les petits enfants vont commencer par chasser Lucifer dans la vie des gens, c'est là qu'ils vont comprendre que, ah, il y a la vérité ici. C'est pourquoi la lumière que le Seigneur va allumer dans votre vie, cette lampe, elle va la cacher pour vous. Ne venez plus dire ici, homme de Dieu, priez pour moi, pasteur, priez pour moi, pasteur, priez pour moi. Pasteur, je sais, si quelqu'un est venu, priez pour moi, vous pouvez le donner 40 de Jésus. Amen. 40 de Jésus, priez pour moi. Il n'y a plus de prière pour moi. On va couper toutes les prières par notre programme. Alléluia. Et tu seras revêtu de la puissance de cet esprit. Et pas aussi de la prière pour les autres. Tu vas appeler Jésus, tu vas appeler Saint-Esprit, tu vas te baptiser à nouveau. Alléluia. Ce que je sais, nous ne parlons pas en langue ici. Parce que ça fatigue. Ça fatigue-le. La pourquoi dire, vous qui devez être des maîtres, vous êtes en train de devenir des bébés, des nouveau-nés, à qui on va raconter les sourates, le lait, on va tenir encore, tu vas donner l'air encore. Non. Déjà, deux fois, vous êtes décédé, vous prenez. Chasser les démons, c'est comme ça. C'est pas parce que les hommes disent chasser les démons, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Vous savez ce que je dis, voyez, soyez. Quelqu'un, c'est Jésus. Allez, vous priez pour la personne, vous libérez la personne et la personne vous suit. C'est ça. Si vous ne gardez pas votre lampe allumée, la lampe va s'éteindre. Lorsque vous allumez le feu et que vous ne mettez pas de poids suffisamment dans le feu finira par s'éteindre. N'est-ce pas? Les poids là, c'est l'œuvre, les prières, les sacrifices, les jeûnes, la vie de consécration. Tout ça, là, ça va appeler le poids qui vient chaque fois attiser le feu de l'autel. Et le feu monte au jour le jour. Le feu monte, 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 le feu monte. Tu n'as plus besoin de parler longtemps de Jésus à quelqu'un avant que la personne soit convertie. Donc, l'église sera restaurée. C'est le Seigneur lui qui a promis. Dit je ne vais pas dire sur les anciens lieux. C'est Jésus lui qui dit ça. Je ne vais pas dire. C'est lui qui veut bâtir. Il dit détruisez ce temple en trois jours, je vais le relever. Alléluia. Parce que trois jours, je vais relever ce temple. Amen. L'église Jésus va être libérée. On va prier, les gens vont la chercher. Maintenant, toi, tu es comme la journée. On va pas rebâtir et partir. Et on va vous dire ah, tel cher, amen ceci, tel frère, amen aussi. Hey! Si jamais j'attends. Je vais prendre billet express avec Chicot pour venir ici. Tu peux mourir pour lui? Tu peux mourir pour ta femme? Quel que soit l'amour que tu as, ton amour ne peut pas t'approuver de donner ton sang. Non. Mais Jésus a donné son sang. Amen. Et ce n'est pas n'importe quel sang qu'il a donné. C'est le sang sans péché qu'il a donné. Amen. C'est pourquoi le sang de Jésus combat tout sang qui a été versé sur la terre. Parce que c'est un sang éternel, c'est le sang de Dieu. Ce sang n'est pas de cette création. C'est le sang qui vient de l'éternité. C'est pourquoi le sang de Jésus parle plus que même le sang d'Abel le juste. Quand on dit le sang, nous appelons le sang de Jésus, nous savons pas ce qui se passe.
Vous savez pas ce que je parle? Le sanctifie l'éternité. Ce sang n'est pas que barrière, le sang le sanctifie. Amen. Même si tu es dans la main d'un petit, vers le sang de mouton, c'est à dire que tu dis sang de Jésus, tu n'enlèves plus. Amen. 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 C'est ça le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons continuer le programme. Ce soir, nous allons continuer dans l'enseignement. Hier, nous avons enseigné sur quoi? Sur quoi on avait enseigné hier? C'est quoi la verset hier? Pardon. Tu vois? Le pardon. La réconciliation. Le pardon, l'amour, la réconciliation. Ça va être trois choses. Qui d'autre? Hein? Le vrai jeu. Le vrai jeu. Ça va être quatre. La réponse, ça va être cinq. Quoi encore? Hein? Là? L'âge. L'âge. Ça va être 6. Quoi encore? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Quoi encore? Ça va être 6. Moi, j'ai enseigné 6 thèmes hier, c'est ça? C'est 6 thèmes que j'ai enseigné hier. J'ai enseigné 6 thèmes hier. Moi, j'avais cité 6 thèmes. Chacun a donné pour lui. Alors qu'avant que je l'enseigne, j'ai donné le thème. La voix. Vous voyez comment vous oubliez vite. Quand on oublie vite, c'est aussi un signe de gratitude. Vous savez ça? C'est un manque de reconnaissance. La gloire. Alléluia! Alléluia. Amen. Ok, gloire à Jésus. Le sous-thème sur lequel j'ai travaillé, c'est quoi? La gloire. Perdue. Nous avons travaillé sur la gloire perdue. Moi, il n'y a pas de réponse. Amour, ceci, cela. C'est ça? C'est ça? C'est ça, alléluia. Ça me dérange. On va se débrouiller. Il n'y a pas le micro d'évangélisation. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Hier, nous avons travaillé sur la gloire perdue. Parce que le thème général, c'est je rebâtirai sur des anciennes l'église de Libreville qui a été établie il y a 200, bientôt 300. A été bâti sur le vrai fondement. C'est pourquoi l'église a connu tous les bombardements. Alléluia! Amen. Ils sont bombardés partout, mais le fondement est resté toujours debout. Amen! Amen! C'est parce que c'est la vérité que c'est resté. On ne peut pas déplacer la vérité. Non! C'est pourquoi lisez-moi le psaume de Luc, psaume 11. Psaume 11. Le micro là, ça ne marche pas. Hein? Il n'y a pas le micro de validation. C'est éteint. Il n'y a pas de baffe rechargeable là. Alléluia. De toute façon, nous sommes dans la lumière. Amen. Amen. Somme 11. Verset. Pardon. Ça me dérange. Verset. Somme 11. Oui, à part le verset premier. Somme 11, à part le verset premier. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Somme 11, à partir du verset 1. Oui. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Mm-hmm. Comment pouvez-vous me dire? Oui. Fuis dans vos montagnes. Écoutez bien David qui te parle. Fuis dans vos montagnes comme un oiseau. Reprenez encore, écoutez David ici. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire? Comment pouvez-vous me dire? Fuis dans vos montagnes comme un oiseau. Fuis dans les montagnes.
David qui aime tellement Dieu, on lui dit, lui chaque fois il cherche toujours que ça, toute sa vie qui va passer, qui part de la présence de Dieu. C'est que sans la présence de Dieu, David ne se sent pas bien. David déteste le mal. C'est pourquoi Dieu lui dit, voici l'homme selon mon cœur. L'homme qui aime le mal, c'est celui que Dieu le désire. C'est cet homme que Dieu cherche. Celui qui se détourne du mal, de la méchanceté, de l'injustice. Yes. Celui-là sera appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et l'exemple, c'est David. Dieu vous a planté ici, dans le réveil. Chacun a témoigné. Ah, Dieu m'a visité. Que j'étais mourant. Oh, j'étais ceci. J'étais comme ça. Oh, j'étais perdu. J'ai allumé YouTube. Je suis tombé sur le témoignage de Raïssa. J'ai lu. Oh, je suis tombé sur le témoignage de Déborah. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah, vraiment, je suis convaincu. Jusqu'à ce que c'était même on enrasait même leur cheveux. Parce qu'ils avaient mis de mèche sur la tête. Maintenant, on leur dit, quittez le réveil. Comme un oiseau. Vous savez, oiseau, le service a juste pris les mots qu'il faut. Parce que lorsqu'un oiseau est quelque part, tu fais un petit bruit, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. C'est ça en réalité. Donc, des chrétiens oiseaux, ceux-là ne peuvent pas aller au ciel. Des chrétiens oiseaux ne peuvent pas rester dans la bergerie. Un petit mouvement, allez, saute, ça vous envole. Lorsque ça va sortir de l'un peu calme, ils vont encore revenir. Et quand ils vont voir quelque chose, ah, ils s'en vont. Ces gens-là ne peuvent pas aller au ciel. Ces gens, c'est eux qu'on appelle les faux chrétiens en réalité. Ils se croient dans leur esprit, dans leur cœur, qu'ils sont des chrétiens, qu'ils sont des chrétiennes. C'est pourquoi hier nous avons lu Esaïe 52. C'est 58 plutôt. 58. Avait dit. Ils font l'effort, ils prient, ils jeûnent, ils cherchent l'approche de Dieu, comme si c'était des justes, comme si c'était des saints, comme s'ils avaient fait du bien et ils demandaient à l'Éternel d'intervenir dans leur vie. David, il faut fuir. Quitte ici, c'est pas bon. Ils sont faux. Le Saint-Esprit n'est plus là, mais il est allé. C'est que les gens ont perdu totalement même la conscience. D'accord, le Saint-Esprit n'est plus là, mais il est allé. C'est ça la question. Il est allé où? Le Saint-Esprit est parti où? Shalom. Amen. Au nom de Jésus. Pour enlever les mots. Mais, alléluia. Il faut enlever totalement les mots. Amen. Amen. Il est devenu encore. Amen. 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 Dans Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé. Vous savez. Alors nous sommes toujours là. Et chaque jour, le réveil continue d'embrasser les machines.
si c'était faux. Est-ce des pays comme le Libéria, est-ce des pays comme le Niger, est-ce des pays comme le Congo, est-ce des pays comme la Côte d'Ivoire, quand tu as encore été touché et chaque jour, t'extermines. Si c'est le cas, est-ce que l'église ne vous pose pas encore d'amour? Mais posez-vous la question. Si le site n'était pas là, le diable allait combattre, toute l'église, allait toucher les familles, tout le monde allait partir. Mais Jésus-Christ est là. Amen. Les gens pensaient que Jésus-Christ n'est plus dans la part. Jésus-Christ promet, il promet, il périssait. Oh Seigneur, ne va tu pas te périssons. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ne dites pas, quel est votre problème? Mais ne souche pas là. Les gens pensent que le Seigneur a un problème, Dieu n'est pas là. Oh, Dieu est là. Le silence de Dieu ne signifie pas sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est son absence. Une chose est le silence de Dieu, l'autre chose est l'absence de Dieu. C'est dans le silence de Dieu que Dieu manifeste sa puissance. Quand les choses sont venues, est-ce que vous vous incriminez pour prier? Non. Chacun a commencé par prendre son jugement. Et elle dit, elle dit, elle répit, et la chair est venue. Mais je vous ai dit hier, le diable a pris ceux qui sont en lui. Mais ceux qui sont du royaume sont restés. Des gens qui ont des petits corps de calomnie,
du corps de délivrement et ils ont transféré ça en scène de prière. Ils invoquent Jésus. Ok, admettons que c'est vrai. Mais si déjà sur la terre, nous ne nous accordons pas, nous ne nous supportons pas, nous voulons le ciel, c'est là-bas qu'on va faire la paix, c'est là-bas qu'on va apprendre à vivre ensemble, c'est là-bas. Non, on n'ira pas là. Si vous n'êtes pas en paix sur la terre, vous n'irez jamais au ciel, vous dites la vérité. Si tu n'es pas en paix avec quelqu'un, en tout cas, vous que vous n'irez pas au ciel, donc vous n'irez pas au ciel. Parce que si vous devez vous retrouver, c'est ce qui est un problème. Vous étiez venu sur la terre. Non. Mais vous êtes dans le monde, vous êtes des amis. Comment c'est possible? C'est possible. Il n'y a pas de considération au ciel. Au ciel, on ne fait pas la paix. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque tu me fais ton enfant, si Jésus a dit, tu penses que quelqu'un t'a fait quelque chose, il faut le laisser. Pourquoi pas partir avec l'enfant? Dépose la d'abord et va faire la paix et revient même moi. La paix, c'est sur la terre qu'on fait la paix. Amen. Ce n'est pas après la mort qu'on fait la paix. Amen. Tu vas pas te mettre sur la tombe de la personne pour dire ça. Oh vraiment, quand tu étais vivant, oh vraiment, bah, j'étais fait ici. Oh tchat. Vraiment, ça m'a fait mal. Oh pardonne-moi, tchat. Tchat, n'est plus là. Il n'y a pas de paix après la mort. La paix, c'est cependant qu'on est vivant. Et pendant que vous vous voyez, pendant que vous vous montrez, c'est le moment de faire la paix. La Bible dit que si cela ne dépend que de vous, soyez en. Ouais. Et c'est pas fini. Et pour tout ce qu'a fait, pourquoi? Recherchez la paix. Recherchez de ce que l'homme dit. Recherchez de quoi? C'est que la lumière là, mais pas toi, hein? Ah, recherchez le débat. Recherchez. Le bien, bien cherché. C'est ça. T'as dit chercher sans cesse. Toi, tu le fais encore. Tu trouves, non, c'est pas comme ça. Continue encore, non. Continue encore, non. Continue encore, non. Continue. Dis ça à ce que tu vas, Jésus. On va pas te chercher. C'est chercher la paix. Ça veut dire que le problème est réglé. C'est la paix. Fini. Vous allez te chercher. J'ai trouvé la paix. C'est fini. Moi, je dis recherchez la paix. Recherchez la paix. Et la sanctification. Sans la paix, nul ne verra le Seigneur. Beaucoup ne savent pas tout. La sanctification, c'est la paix. Beaucoup ne savent pas. La sanctification, c'est la paix en fait. Parce que si vous êtes dans la paix veut dire quoi? Celui qui est dans la paix ne peut pas garder son frère dans son cœur. Celui qui est dans la paix avec son frère ne peut pas mal parler de lui. Celui qui est dans la paix avec son frère ne peut jamais vouloir son mal. Celui qui est dans la paix avec son frère va toujours chercher le bien-être du frère. Amen. C'est ça la sanctification. Et vous avez mal compris la sanctification. La sanctification n'est pas enlever mes chers. Je vous dis la vérité. Dieu tient la Bible en même temps. C'est faux. C'est faux. Très faux même. C'est totalement faux. La sanctification, c'est pas enlever mes chers. C'est pas enlever pour tomber. C'est pas enlever tenir. C'est pas enlever colon. C'est pas ça. C'est la garde dans votre oreille, s'il vous plaît. Je vous dis la vérité, je ne parle pas l'esprit de Dieu. C'est pas ça la sanctification. La sanctification, c'est la vie de séparation, la vie de Dieu. Dieu est qui? Dieu est la paix. C'est pour dire Jésus le prince de la paix. Son royaume, c'est la paix. Jérusalem, c'est la paix. Amen. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Est-ce
Mais je pense que c'est ce que je vous dis, c'est pour c'est trop possible de enlever ça de côté. Faut enlever ça, c'est pas ça. Donc Dieu leur est pour les garçons, mais c'est pas ça. Pas du tout. Les mecs qui ont vu sur la tête, qui a mis ça sur la tête? C'est pas vous-même. C'est Jésus qui a mis ça sur la tête. Les potes femmes là, qui a mis ça? Les dernières, qui a mis ça? Les voleurs, qui a mis ça? Ah, mais faut enlever ça. L'effet est extraordinaire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Donc, quand le diable est sur toi, tu as enlevé, tu n'as rien fait. Tu n'as même pas encore obéi à Dieu. C'est là le piège. Les gens enlèvent les choses et les choses se retrouvent dans le cœur. Et c'est ça qui combat l'Église. C'est pourquoi quand les parents voient les églises comme les églises de la société, ils disent, attendez. C'est ça qu'on veut être après ce Dieu, c'est grave. C'est pourquoi on vous dit, à l'ombre de ciné, que c'est le cœur que Dieu juge. Parce qu'ils sont convaincus de leur cœur. Mais vous, qui avez le même âge, qui avez mis des voix sur la tête, qui a dit qu'il avait porté des robes. Quand vous vous dites, ah, mais moi, cette idée est terminée. Alors que c'est un tombeau blanchi. Pour soulever la repas, pour voir le bruit du pied là. Il a pris le tombeau blanche. Et la coupe, et la couvert son idole. Tout est ici. Et tout le monde pense que c'est le pied. Oh, le vous allez voir. C'est pour ça que les écrits de sainteté et de sanctification ont diable bien assis. Je vous dis la vérité. Le diable, il se sent très à l'aise dans les écrits de sanctification. Parce que les gens, en réalité, sont en apparence. Mais ceux qui regardent la sainteté, ils sont réunis à ça. Et il faut devenir des hypocrites. Et tout le monde se garde dans les salles. Moi, je suis dans l'église de sanctification. Il met les voix toute la journée. Mais mon soeur là, c'est un Christ. T'as dit là, là. Vraiment. C'est pas facile. Hein? C'est un Christ que tu appelles là. C'est qui crée les Christ. Regardez ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a évangélisé le monde, les païens. Ah, ça, c'est pas bon. Parlez mal de ça, c'est pas bon. Ça, c'est le pays en bas du salut. Le Seigneur te sert. Il vous sert. Malgré tout, il vous sert. Et vous, si vous l'aimez, vous le montrez. Il dit, vous dites que vous m'aimez, mais vous ne gardez pas mon commandement. Vous dites que vous êtes des disciples, mais pourtant vous haïssez. Vous dites que vous êtes des disciples, pourtant vous mordez les uns les autres. Vous dites que vous êtes des disciples, et pourtant vous mordez le malheur les uns les autres. Être disciple de Jésus demande une vie de consécration totale. Amen. Quand on dit disciple, il y a le mot discipline qui est caché. Amen. Être disciple de Jésus, c'est avoir une vie disciplinée. Amen. Tu as des désirs, mais en dehors du
je rompus ce désir. Et ça a dissipé. On était parti au point de vue de lui. On a vu quelqu'un venir de près de sa chambre. On a sorti. On a croisé une fille avec de fer. Alléluia. Oui. Dans un bon gars. Elle dit c'est un dégusté. Elle dit hé, dégusté vert ici. Il m'a dit. Dégusté vert, c'est bon. Que ça, c'est avec du bien encore. Tu dis ma soeur. Même si tu bois une coupe, ton père dans les règles, la volonté de la robe du jeu, tu te réveilles. C'est-à-dire, vous voyez comment le diable a mis toute ta place. C'est-à-dire, c'est gratuit, il ne veut pas. Tu viens de l'acheter, tu ne viens pas de boire le verre, et si tu as sorti. Il dit, moi, j'ai dit non à l'enfer. Le vin que tu m'as dit de prendre, je pourrais tenter de prendre. Alléluia. Oui. La manière dont c'est fait là, tu vas prendre. La soeur, il va prendre. La manière dont la soeur continuerait là, alors tu vas prendre, c'est mon frère, tu vas prendre. Tu vas prendre avec moi, tu vas appeler, mais tu as pris du vin. Et je pensais que c'est fini. Il y a encore une autre chose encore devant. Même sa vie. Et je n'ai pas compris. L'autre m'a dit de prendre. Et c'est tout ça, j'ai résisté. Toi, tu n'as pas encore de plan. Je dis, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Alléluia. Amen. Donc, j'ai compris le plan du diable. C'est-à-dire qu'on vous dit, oh, on me voit des choses, non, ça ne fait rien. Juste le plan, ça ne fait rien. Dans ce plus 55, 5 litres d'alcool, c'est rien. 0,5% de péché, c'est rien. C'est ce plus 5 long. Ça ne fait même pas 1%. C'est rien. Ça ne fait pas assez long. Ça ne fait pas assez long. 0,5% de péché. C'est pas plus rien. C'est encore singulier. Ça passe. Mon monde est sous la prise du diable. Si je n'avais pas fait cet effort de discipline, je vais tomber dedans. Parce qu'elle va parler avec toi, tu vas même oublier mais que tu es dans une vie de sanctification. Tu vas même oublier que Jésus a été de ne pas prendre le vin. Tu as fait le point de toi, tu ne pas raison, tu dis non, après tout, c'est Dieu qui a créé le vin. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon, prenez avec action de grâce. Moi j'ai pris le vin avec action de grâce. Hein? Tu prends vin avec action de grâce. Pour mieux comprendre, il faut lire le livre de la sagesse. La sagesse là permet de régler les problèmes difficiles de la foi. Lorsque vous êtes face à des choix difficiles, tu as mis la solution dans la sagesse. Il dit de donner le vin à celui qui va périr. On lui donne. Donnez-lui ça. Donc c'est pour les gens qui vont périr à cause dans le vin. Et le Saint-Esprit ne boit pas avec l'alcool, avec le vin. Parce que le Saint-Esprit, l'esprit du vin est le maître de cet esprit. La même façon que le vin saoule. C'est comme ça que le Saint-Esprit saoule. Quand le vin te saoule, c'est ce que tu fais. Tu n'es plus content de toi-même. Tu dis des choses, toi tu ne te contrôles plus. Alléluia. C'est comme ça que c'est détruit. Tu vas dire des choses, toi tu ne sais pas ce que toi tu dis. Oh, c'est l'esprit de Dieu qui dit. C'est ça, mais Dieu veut que nous soyons enivrés de cet esprit que tu mets. Donc c'est ça qu'on appelle la discipline. Un chrétien, un disciple, tu vas être discipliné. C'est ça qu'on appelle disciple de Jésus. Amen. Les choses que tu aimes, c'est ça qu'on va te donner. Les biens, grâce que tu aimes, on va te dire, mange. Mange. C'est bien, c'est bien qu'il y a pris.
ma soeur, c'est la discipline. L'apôtre Paul dit quoi? Je traite durement mon corps, je me démarre. Je dis. Je traite durement ma bouche par là. J'abaisse. Hein? Je remets la clé au Saint-Esprit. Vous m'insultez. Dites-moi. Depuis moi. Parce que je ne peux plus parler. Le Seigneur a présenté les vertus du royaume dans sa parole. Ce que nous devons faire pour demeurer ferme dans notre marche dans son royaume. Là, tout écrit. Alléluia. La gloire perdue. La gloire perdue, c'est chacun. Faites votre vie avant et votre vie après. Votre vie chrétienne au début du chrétien et votre vie chrétienne actuelle. Faites la comparaison. Vous allez voir que la vie au début de l'année est meilleure. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas grave, bienvenue sur vous. Amen. Amen. C'est pas grave. On a demandé la présence du Saint-Esprit. Amen. Tout ce que je dis, l'Esprit vous communique. Vous entendez des voix sonores dans vos oreilles. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes déjà en jeûne depuis hier. Hier, nous avons fait un peu de repentance. Amen. Oui. Aujourd'hui, nous allons continuer. Demain, c'est le grand jour. Mais le plus grand jour, c'est le dimanche. Amen. Oui. Le plus grand jour, c'est le dimanche. Et je vous prie réellement, quand on est jeûné là, le but que Dieu recherche, c'est pas se priver de nourriture. Non. C'est pas ça qui intéresse d'abord Dieu. Mais c'est l'état de notre cœur, ce que nous faisons, comment nous délions le vrai jeu, comment on a lié là. Comment nous délions les personnes que nous avons attachées dans notre cœur. C'est pourquoi nous avons dit hier, arriver à la maison, demander que le Seigneur vous révèle l'état spirituel de votre cœur. Afin qu'aujourd'hui, quand tu vas venir, au moment où tu sais que tu as appelé tel frère, tu as appelé tel soeur, tu l'as vu, vraiment ma soeur, hey. Vraiment, je veux faire la paix, je veux demeurer dans une paix vraiment totale, je veux avoir la paix réelle. Et je vous ai dit, on le fait avec un cœur de vérité. Parce que le problème, c'est que parfois, on le fait sous l'émotion. On le fait sous l'émotion, la paix sous l'émotion, la joie sous l'émotion, la réconciliation sous l'émotion. Et quelques heures, lorsque l'émotion s'éteint, alors on reporte encore l'abus de rancune, l'abus d'amertume, etc. Ça veut dire que le problème n'est pas réglé. Alléluia. Oui. C'est pourquoi hier, je n'ai pas prié hier. Juste là, quand je n'ai pas encore prié. Non. L'Esprit m'a dit de suivre la direction. Amen. Oui. C'est-à-dire que c'est ceux-là réellement qui méritent, qui vont être délivrés. Alléluia. Amen. On va pas faire effet de nombre, effet de marketing. Non, c'est pas dans ça. Alléluia. Oui. C'est ceux qui sont réellement convertis. Il dit ceux-là qui vont réellement se convertir, c'est ceux-là qui verront la guérison. C'est ce que la Bible dit dans Ésaïe 58. C'est ceux-là qui verront la guérison. C'est pour ceux-là que nous allons travailler. Amen. Amen. Donc si toi qui es là et tu sais que tu veux seulement qu'on on impose la main sur ta tête pour prier pour toi. De toute façon, ce n'est pas moi qui délivre. Ce n'est pas pasteur, ce n'est pas prophète Ezras qui délivre. C'est le Saint-Esprit qui délivre en fonction de l'état de repentance du cœur. Lorsque vous êtes repenti, naturellement, la délivrance vient. C'est automatique. C'est comme si lorsque ta carte est à jour, tu mets dans le guichet, dans le guichet, ça rentre, non. Et les billets, tu entends les prix du billet, ça dit que c'est bon. Alléluia, c'est comme ça. C'est pourquoi hier nous avons beaucoup insisté sur
la repentance, les péchés, tout ça là, afin que les uns et les autres se découvrent pour chercher réellement la réconciliation avec le Seigneur. Parce que, je vous ai dit, l'église, le chose que j'ai fait, je vais vous raconter une partie, parce que l'autre partie, je compte un peu de sonder. Je me suis retrouvé dans un, disons dans un trou, Et le tout, dans le trou, il y avait beaucoup de monde. Il y a certaines personnes que je vois qui sont dans le trou, qui sont là. Il y en a d'autres personnes que je ne connais pas, mais qui étaient nombreux à être dans le trou. Et dans le trou, je voyais que chacun faisait ce qu'il voulait. D'autres s'habillaient même en pantalon torse nuit et te couchent n'importe comment dans le trou. Et j'entendais une voix qui dit, sortez de ces choses rapidement. Et quand j'entendais, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvé à l'entrée du trou. Je disais aux gens de sortir. C'était très le pas. Donc, non, on va s'amuser un peu. Et on faisait l'effort. Et j'avais trouvé, à un moment, je voyais le pasteur après qui était venu pour dire on n'a qu'à tirer ceux qu'on peut tirer au possible. Donc, on a pu tirer deux personnes. Et d'un coup, il y a un grand vent qui a soufflé. Et le vent qui a soufflé, c'est avec de rafales d'eau. Et tout le toit a été inondé. Tous ceux qui sont dans le toit ont tous péri. Alléluia. Amen. Je me suis dit, mais c'est quoi ce songe-là? C'est quoi ce songe-là? Et c'est lorsque je priais le matin, quand je viens, je vois commencer par entendre, mais hier, tu lui avais dit de sonder le cœur. Mais c'était en réalité qu'il faisait semblant comme si il changeait le cœur, comme si réellement il se convertissait dans le cœur, comme s'il faisait la paix, comme il se confessait réellement. Alors que c'est faux. Il ne faisait juste pas avoir compris pour eux. Mais ceux-là vont périr parce que leur point va tout de plus. Et le peu qui est sorti est sauvé. Toute la foule qui est dans le trou, c'est deux qu'on a pu sortir du trou. Le reste a péri sous, comme les gens de Noé. L'eau les a tous dévastés. Les gens criant ne pouvaient rien faire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, je suis venu avec un grand message du Seigneur. Je suis venu avec une bonne nouvelle du Seigneur aussi. Le Seigneur n'est pas fatigué. Il est prêt à relever ceux qui désirent, ceux qui demandent l'aide du Seigneur. Mais les hypocrites, les lâches, du dehors. Voilà Jésus. Donc, la repentance, la vraie repentance, je vais vous expliquer ça ce soir. La vraie repentance. Les étapes de la vraie repentance. La repentance, c'est celle. La repentance qui amène au salut. La repentance qui engage la main puissante de Dieu dans sa vie. Alléluia. Oui. Abbé dit dans le livre de Proverbe 28, verset 13, il dit ceci. Que celui qui casse cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le verset là a deux parties. Première partie, celui qui casse cette transgression ne prospère point. Celui qui cache, c'est celui-là en réalité qui n'avoue pas réellement ce qu'il a fait. Parce qu'il a honte. Il dit, hey, je ne peux pas dire ça à quelqu'un. Qui va entendre ça? J'ai pensé à mon frère, quand je te vois, et puis j'ai envie d'avoir une étrangler. Ça, j'ai demandé chaque fois. Mais quand je lui dis ça, il ne va pas me traiter de sorcier. Il ne va pas me traiter de ceci. Et je garde ça. Quand je te vois, j'ai la haine contre toi. Oh, c'est pas ça. La vraie chose n'a pas dit ça. Il n'a pas qualifié la haine. La haine concerne qui veut vraiment le tuer. Il a envie de le gorger. C'est ça en fait. Il a envie de voir son sang couler. Ah, mon frère, quand je te vois là, c'est que j'ai envie de me trouver dans tes bras. Et j'ai qui parle. Amen. Amen. Donc, elle là, c'est ça quoi. Quand elle voit le frère, c'est. Comment faire pour que le frère et soit ensemble pour combien de publicités? C'est ce qui va se passer. Ah, non, j'ai des paroles de Dieu, j'ai des pensées. Tu l'arrêtes. Parce qu'un esprit, tu as créé une alliance avec un esprit.
Et tant que l'esprit, tant que tu ne te vois, tant que tu ne confesses pas cela, ça arrive toujours là. On va avoir le feu de tout le garbon sur toi. Ça va aller brûler. Celui qui casse cette relation ne prospère point. Pas. On dit point. Ça veut dire jamais, absolu, jamais. Si tu casses, tu retiens. Si tu changes la forme du péché, si tu changes la forme de ce que tu as posé, pour toi, c'est que tu as fait ça il y a longtemps, oh, c'est fini il y a longtemps, 30 ans, oh, c'est quand j'étais bébé, oh, quand j'étais. Le diable ne connaît pas quand tu es bébé. Le péché ne le connaît pas quand tu es bébé. Il n'y a pas de péché bébé. Amen. Le péché, c'est péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ah non, j'ai confessé à Dieu, j'ai dit à Dieu, j'ai fait, je suis allé sur la montagne, j'ai fait ça. J'ai fait ça à Dieu, et pourtant, la racine est toujours. Parce qu'il y a des péchés lorsque vous les commettez, C'est vrai, Dieu, après vous dites, il peut dire, il est descendu à Dieu. Vous savez, vous comprenez. Parce que Dieu, à qui vous confessez, vous le voyez. Vous le voyez, là, vous êtes capable de dire toutes les choses qu'on a été comme même. Amen. Amen. Quand tu ne vois pas Dieu, ok, il dit tout. J'ai fait comme ça. Il dit d'accord. Et donc, moi, je vais prendre un corps. Je vais venir en chaîne pour lui parler. Et là, il va vous participer les choses. Et puis, il va tailler les choses. Il va enlever. C'est ça. Alléluia. Amen. Vous savez, je répète chaque fois. Moi, là, je n'ai rien à cacher. Tu peux fouiller ma vie. Parce que tu es. Ma vie privée, tu n'es pas de difficulté. Parce que j'ai dit que tout ce qui est caché sera connu. Donc je veux que ma vie privée soit cultivée sur la terre qu'au ciel. Et du ciel, au ciel, là, c'est un gros un ministre. C'est déjà dit. Seigneur, t'as tout le monde connaît ça sur la terre. Où on dit que je suis comme ça, je suis si comme ça. Alléluia. Ouais. Donc moi, je ne vis pas une vie cachée, une vie. Non. 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 C'est une vie c'est publique. Donc, je n'ai rien caché. C'est pourquoi, parfois, il y a des choses que tu as envie de faire, tu ne peux pas. À cause de ton statut que tu as. Alléluia! Ouais. Parce que je ne vais pas aller dire, Seigneur, parce que je ne fais pas ça. Non! J'ai dit ça à Dieu, Seigneur, que je dis, pardon, pardonne-moi. C'est quoi ça là? Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. C'est quoi ce projet, Seigneur, pardonne-moi? Toi, mais là, il faut t'enregistrer, il faut t'écouter. Tous les jours, tu t'es raconté, monsieur. Matin, t'es là, midi, t'es là, soir, t'es là, tous les mêmes choses. C'est quoi? Ça montre que tu as une volonté de ne jamais te répandre. Évite le péché que tu commets tous les jours. Alléluia! Ouais. Évite le péché que tu confesses tous les jours. Pour éviter ça. Ce péché devient un lien dans ta vie. Lorsque le péché devient, ils n'ont pas d'humilité. C'est-à-dire, c'est ça qui détermine ton existence. C'est ça qui fait même ta vie, le péché. Donc tu ne connais pas, si tu ne connais pas le péché, tu n'es pas vivant. Tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas respirer. Tu dois combler le péché possible. Même une fois parce que tu dois le faire. Si c'est la pornographie, tu vas tout faire. Rester lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mardi, viens là. Ça veut dire, ah, tout le monde. Dimanche, tu vas demander pardon. Alléluia! Ouais. Il y a des gens qui tombent aujourd'hui. On le servant demain et tombe encore. On dit, elle tombe encore. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Non, je suis possédé. Tu es possédé, c'est le démon là qui t'a pris ta main comme ça, dit, va. Même démon même va te chiffrer, il dit, mais je t'ai rien dit, j'étais tranquille. Alléluia! Ouais. C'est pourquoi. Vous devez travailler sur vous-même. Les choses que vous aimez là, ça je dois le crucifier, les crucifier. Renonce. Pour refuser. Ce qui est doux, si tu dois parler à ta table, il faut refuser ça. Il faut commencer par prendre des repas. Tu peux le faire, non? Des repas sans sel. Le premier jour quand tu prends ça, c'est quand ça arrive. C'est pas grave. Alléluia! Amen. Deuxième jour, je te donne un repas sans sel. Tu manges ça comme ça, tu ne laisses pas rassasier. Ça n'a aucun goût, ça va être dans ma langue. Comme il n'y a personne là, on a préparé, toi, tu mets ça dedans. C'est quoi?
Tu as du bien manger, non? Tu dois vivre. Tu dois être heureux. Tu as mis le sel dedans. Tu as pas ta renoncé. Et tu luttes. Tu luttes. Ah, moi, tu vois que c'est pas. Tu ne peux plus vaincre. Tu es devenu vaincu. Oh, c'est mon péché. Oh, moi, comme ça, je suis. Qui t'a dit que tu es comme ça? Je vous donne l'exemple de ne pas saler. Et non salé. Le péché est comme ça. Le péché consomme exactement comme ça. On dit à quelqu'un, ne consomme plus de sucre. Dis, mais il voit que le repas, le sucre, jusqu'à ça. On dit d'abord, c'est pas possible, je vais mourir. Comment je vais vivre sans sucre? Je vais mourir. Tu t'as dit que tu vas mourir. C'est une question de discipline. Alléluia! Amen. C'est une question de discipline. Il faut discipliner ta langue, tu vas voir. Quand tu vas le faire pendant une semaine, quand tu vas sentir au-dessus, tu vas rejeter. Ça va te quitter définitivement. Amen. C'est comme ça. Le diable, là, il attaque la chair. Il attaque nos désirs pour nous détruire, pour nous emprisonner en réalité, pour nous contrôler, pour nous assujettir. C'est pourquoi nous devons maîtriser nos désirs. Les choses que tu aimes, c'est là que le diable attaque. Tu aimes les femmes, quel genre de femme tu aimes? C'est ça qui va. C'est que tu vas sortir, je fais rien, que c'est dans le monde, tu vas parler. Tu dis, hey, vraiment, tu dis, tu vas que là, vraiment, tu vas quand même essayer une fois. C'est une fois que tu vas essayer, après je vais donner pardon, Seigneur Jésus, le sang de Jésus est là. Ces chrétiens-là, c'est que si jamais ils font erreur de se retrouver en enfer, là, sur les démons vont les torturer, vont les torturer. Parce que les hypocrites, les orgueilleux, ils s'appuient sur le sang de Jésus pour pécher. Disciplinez votre vie. Disciplinez votre vie, votre corps. Votre corps réclame des choses contraires à l'esprit. Le jour où tu dis, Seigneur, donne-moi vraiment un cœur de pardon. Quand quelqu'un me blesse, que je lui pardonne facilement. Le Seigneur ne donne pas le cœur. Alléluia! Il ne donne jamais le cœur. Donc, dis ce qu'il faut. Il va transmettre ce cœur-là en un cœur de pardon. En soumettant ce cœur à l'épreuve. Tout ce que tu demandes là, Dieu ne donne pas comme ça. Il te prépare pour ça. Amen. Tu veux un cœur qui pardonne vite. Oui, Seigneur. Donne-moi un cœur qui pardonne vite. Je veux un cœur qui pardonne. Je veux un cœur, Seigneur Jésus, un cœur doux. Oh, je me demande un cœur doux. C'est au moment où tu n'as pas rien que l'épreuve va fuir. L'épreuve qui vient avec toi pour t'amener à parler, pour t'amener à crier, pour t'amener à te venger. L'épreuve va fuir, tu vas me oublier, tu vas te crier. Tu vas gifler quelqu'un depuis quand tu me fais ça. Hein? Tu sais pas que je n'aime pas ça. Hein? Et ça va commencer par un petit pour les enfants, mais déjà la maison. C'est que. Vous savez que Dieu dit tout pour nous redresser, pour nous corriger. Amen. Il y a dans ce témoin la dernière fois. Il y a pas une prière là. Quand si je me rappelle, j'ai dit, je ne veux plus jamais faire une prière encore. Amen. Parce que Dieu m'a soumis à l'épreuve après la prière. Ça, non, je ne veux plus. Je ne veux plus. Je dis, Seigneur. Même dans le péril, dans la beauté, dans le vide, dans l'affaire, je vais te servir. Même si je n'ai rien, moi je vais te servir. Oh Seigneur, je vais te servir. Le jour où je sentais l'onction de descendre à moi. Aussitôt qu'elle est venue prier, ils sont venus plaquer ma moto. Ils sont venus plaquer ma moto. Hey! Dans la nudité, dans l'affaire, je vais servir le Seigneur, je n'ai plus de moto, je vais servir. Oh le jour, on a délivrance. C'est un jour de délivrance, samedi. Les gens attendent sur les titres à l'église pour vivre les démons. Voilà, on a volé la moto du pasteur. Allez, va chasser le démon. Hey! Dans quel état je vais chasser le démon? C'est là que je suis appelé avec lui. Il dit, Seigneur, j'ai prié, j'ai fait ça. C'est fini. C'est fini. Seigneur, il y a des prières, je garde ça dans mon cœur. Allez!
veux dire par là? Je veux vous dire quoi? Lorsque vous dites Seigneur, donne-moi l'humilité. Je veux vraiment avoir l'humilité. Quand tu sens que tout le monde te reproche, tu es si bien comme ça. Tu peux demander l'humilité au Seigneur. Le Seigneur écoute tes os. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas descendre du ciel pour rentrer dans ton cœur. Non, ce n'est pas ça. Si c'est comme ça, là, parce que là, tu auras deux cœurs. Ça, tu comprends même. Là, tu auras deux cœurs. Et les deux cœurs vont se combattre. Dieu va éviter ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Le cœur qui est mauvais, lui va transformer ça. C'est ce cœur qui t'en aime pas s'humilier. C'est ça, non? Ok. Épreuve d'humiliation vient. Tout le monde va te battre de Jésus. Même le passé va mal te parler. Même. Le passé est mauvais, le passé est méchant. Les gens n'aiment pas. Les gens ne considèrent même pas. Je suis vraiment même pas samedi. Personne va s'en dans l'église. C'est que l'église. Et le diable va te battre de tout va, c'est ça. Et celui qui n'est pas à toi, on dit que l'amour supporte l'amour, mais si tu ne t'aimes pas. Et tu vas commencer par, c'est-à-dire que ton morfond, pas le cœur. Et l'humilité peut plus chiche en réalité. L'orgueil va se renforcer encore. Les gens qui se plaignent tout le temps, c'est des personnes orgueilleuses. Donc je ne vais pas vous mentir. C'est une personne, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a dit ceci, on m'a dit ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Ah, c'est orgueil. Orgueil, orgueil là. Et cette personne finit toujours par devenir amère. Alléluia. Donc, quand on demande quelque chose, tu dois passer par la croix forcée. La croix doit enlever ça de toi. Obligatoire, parce que c'est à la croix qu'on finit avec le péché. C'est à la croix qu'on finit avec la chair. C'est à la croix qu'on coule les œufs de la chair. L'orgueil va à la croix. La croix, c'est la souffrance. Tu seras tenté, tu seras éprouvé. Tu seras que tu auras la victoire sur l'orgueil. Et là, l'humilité est à ta vie. Amen. Tu veux finir avec la masturbation, avec la publicité. Très bien. Je ne vais pas regarder le pornographe, c'est pas grave. C'est le diable qui te parle. Tu ne vas pas regarder le pornographe, c'est pas grave. Je ne vais pas regarder les choses, c'est pas grave. D'accord? Maintenant, je vais te faire voir les choses. Tu ne peux pas refuser. Quand je te dis, Paul, tu vas voir, tu es fumé. Alléluia, si tu sors, tu vas voir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un problème sur ton cœur. Et ça va t'amener à t'isoler. Alléluia! Amen. Et lorsque tu t'isoles dans la solitude, c'est là les mauvaises pensées. C'est pas de la solitude, c'est dangereux. Je vais vous dire avec Dieu, je suis quelqu'un qui aime beaucoup dans le ministère de la délivrance. La solitude, c'est très très dangereux. Très très dangereux. La solitude est très bonne lorsque on cherche la grâce du Seigneur. Mais si tout le temps vous êtes seul, là, vous avez le diable vous charge. Vous vous suivez des pensées par possibles qui vous travaillent. Et vous commencez même pas à parler seul. Quand je parle avec des démons, tu échanges avec eux. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Tu vas faire ça comme ça, vous devez faire comme ça. D'accord? Tu en échanges avec des démons. Alléluia! Oui. C'est pourquoi, lorsque vous demandez quelque chose au Seigneur, sachez que son épaule vous attend. C'est là maintenant. Parce que tout part de la pensée. L'impudicité, tout part de la pensée. Tout part de la pensée. Ça veut dire qu'il y a des sens, des informations qui sont stockées dans ta pensée. Et en réalité, ces informations ne commencent pas à te parler. Comment pas toucher ta chair? Comment pas te pousser à désirer? C'est que le désir monte comme l'eau qui bouillonne. Ça veut dire que la parole n'est pas suffisante dans l'esprit de cette personne. Ça veut dire que là, vous allez chercher comme ça. De temps en temps, écouter la parole de Dieu. Être la présence de Dieu. À prier. Plus vous priez. Plus vous priez. Parce que plus vous priez, plus vous voyez les choses. Alléluia! Amen. Plus vous vous découvrez, plus vous jeûnez, plus vous allez avoir une maîtrise de la chair. Amen.
C'est pourquoi le jeûne, la prière, la méditation, l'œuvre permet de régler ces problèmes-là. Les problèmes de Jésus, parce que vous êtes inoccupé. Si vous êtes inoccupé, le diable va vous occuper. Amen. 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 Donc celui qui casse cette transgression ne prospère pas, ne peut pas prospérer, ne peut rien obtenir, ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vous ai expliqué comment on cache ces péchés. Lorsque vous ne confessez pas totalement, donc vous ne confessez pas exactement, et vous habillez le péché, là vous cachez. Alléluia. Et vous êtes Dieu menteur, c'est ce que Jean dit. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La Bible dit que celui qui les avoue, fait quoi? Et les laisse. Et ou bien celui qui les avoue ou? Celui qui les avoue ou délaisse, c'est ça non? Non. Celui qui les avoue ou délaisse, c'est ça non? Non. Celui qui les avoue ou délaisse, c'est ça non? Non. Celui qui les avoue ou délaisse, c'est ça non? Non. Et c'est quoi? Faut bien souvenir là. Celui qui avoue et délaisse, délaisse, ça veut dire quoi? Abandonner. Abandonner. Je vous dis quelque chose, si vous n'abandonnez pas le péché, vous n'êtes jamais pardonné. Je vous l'avais. Même le péché de 10 ans, il n'est pas pardonné jusqu'au jour. Parce que tu comptes encore dans le péché. Le péché qui n'est jamais abandonné, n'est jamais pardonné. C'est ça en fait. Parce que tu n'as pas abandonné la chose, alors on va te pardonner. Peut-être que tu attends encore, commettre encore pour me demander encore pardon. Peut-être que ce n'est pas encore suffisant. Donc, il faut délaisser, il faut abandonner, il faut changer de voie, il faut changer de comportement. C'est ça qui amène quoi? C'est ce qui amène quoi? La miséricorde. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu amène sa grâce, amène sa bénédiction, amène le succès, amène la victoire. C'est pourquoi vous combattez les mêmes démons depuis toujours, et les démons sont toujours là. Parce que ce qui gagne les démons, c'est votre vie de péché et non la prière que le pasteur fait. C'est votre vie de péché, vous n'en appelez pas chaud. Or, c'est toi qui réellement qui est le problème. C'est pas une prière qui va déplacer le démon dans ta vie. C'est votre vie. C'est l'état du repentant de ton cœur. Alléluia. Amen. Donc, la repentance passe par ces étapes que je veux que chacun garde ça. La première étape de la repentance, c'est la reconnaissance du péché. Amen. La reconnaissance. Il dit, reconnais que tu as péché. Reconnais tes erreurs. Il dit, je suis venu guérir Israël. Et le péché de Israël s'est révélé. Dieu veut te guérir de ton péché à Dieu. Dieu veut te donner marie ton péché à Dieu. Dieu veut donner enfantement, ton péché a dit non. Dieu veut te guérir. Ton péché a dit non. Ton péché est plus fort que Dieu te donne. Ton péché est plus fort que l'intervention de ta vie. Alléluia, c'est ce que vous comprenez. C'est-à-dire, le péché dans la vie de quelqu'un est plus fort que l'intervention de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire, le péché de la personne relève de sa volonté. Vous savez que notre volonté dépasse Dieu. Vous savez ça? Vous savez pas ça? Notre volonté dépasse Dieu. C'est ça l'élément. Notre volonté dépasse Dieu. C'est bizarre. Dieu a créé l'homme. Mais même lorsque Jésus est venu encore pour sauver l'homme, il a encore sa volonté. L'homme est toujours libre de choisir. L'homme dictait toujours sa volonté. L'homme ne peut jamais dans la main de Dieu. Jamais. C'est l'homme qui décide ce qu'il veut. Dieu lui a donné la volonté, simplement. Dieu ne peut jamais conduire. Tu dis, c'est un peu, il ne m'a pas conduit. Mon fils, ça c'est un principe pour garder ta volonté. C'est toi qui l'as décidé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, toi, à chaque fois, tu dis, je n'ai plus de volonté. C'est ce que Jésus disait. Père, que ta volonté soit faite. Ce n'est pas ma volonté, mais plutôt ta volonté.
J'ai une volonté de m'habiller comme ça. Mais la volonté de Dieu dit non. Habille-toi comme je suis. Amen. J'ai une volonté de prendre telle femme qui me plaît. Mais la volonté dit non. Cette femme ne la prend pas. Maintenant, à toi d'écouter la volonté de Dieu. À toi de suivre ta propre volonté. Tout compte fait, le choix que tu feras va déterminer le reste de ta vie. C'est pourquoi Dieu ne s'interfère pas dans nos choix, à moins ce qu'on le lui donne. C'est pourquoi à chaque fois qu'on fait le choix, on soumet au Saint-Esprit. Si l'Esprit c'est ta volonté, permet que ceci arrive. Je ne veux pas que ma volonté se fasse. Je ne veux pas que Seigneur Jésus, que c'est mon choix qui passe, mais plutôt son choix. Parce que mon choix est limité. Mon choix est corrompu, Seigneur. La volonté. Il faut toujours soumettre à Dieu. Parce que la volonté fait partie intégrante de notre âme. La volonté, c'est une partie importante de notre âme. Le diable veut contrôler notre volonté. Dieu aussi veut contrôler notre volonté, mais Dieu nous donne la volonté. Je choisis. Soit qu'on écoute trois personnes. Dieu, le diable ou nous-mêmes. Amen. Oui. Mais ça revient à deux personnes. Parce que nous-mêmes, ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? C'est toujours le diable. Donc le diable veut soit qu'on l'écoute, soit qu'on écoute nous-mêmes. Mais pas Dieu. C'est le combat qui mène chaque fois. Ok, tu veux pas, tu ne peux pas aller voir les féticheurs, c'est pas grave. Mais fais ça au moins. Moi maintenant. Fais ça au moins. Fais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Amen. Ma volonté. La volonté divine et la volonté satanique. Je dois chaque fois discerner. Chaque fois que je demande une action, je dois toujours discerner. Ce n'est pas que je vais réfléchir longtemps, non. Mais à force de me soumettre à une volonté, cette volonté finira par me contrôler. Si à chaque fois que je fais le cours, c'est ainsi, je sais pas toujours me contrôler. Parce que ça devient une habitude pour moi de construire chaque fois le Saint-Esprit. Je vais manger le Saint-Esprit. Est-ce que tu me recommences le repas? Est-ce que c'est bon? Ce repas est bon pour moi? Parce que le pape n'est pas bon pour toi et pour tous les possibles. C'est là où beaucoup malheureusement font l'erreur et ils en font de doctrine. Un vêtement peut être bon pour toi, n'est pas bon pour les personnes. Les gens sont des vêtements de temps humide. Ça c'est quoi ça là? Faut être tout blanc, faut être tout bleu, tout rouge, tout noir. C'est quoi ça là? Alléluia! C'est quoi ça là? Ça, c'est ce qu'on appelle les fausses doctrines. Yes. Dieu est dans les couleurs. Alléluia! Amen. Si Dieu avait créé les couleurs, la terre sera comment? Vous me regardez, la terre sera comment? La terre sera comment? Où sera la beauté? Non. Raisonnons. La terre sera comment? Si tu t'es bleu sur la terre, la terre sera bleue. Mm-hmm. Où est la beauté? Dieu est dans les couleurs. Yes. Dieu est dans le changement. Yes. Alléluia! Amen. Non, Dieu n'est pas dans ton humain. Jésus n'est pas forcément dans ton unis. C'est ce qui est dans notre esprit que notre esprit nous conçoit. Nous conçoit souvent. Si nous avons tendance à réaliser que Dieu est pour le voir dans sa cité, il doit porter la Bible blanche. Il va toujours porter la Bible pour nous parler. Comme aussi peut porter les pains traditionnels pour venir nous parler. Yes. Parler à toi. Yes. C'est ce que vous comprenez. Mm-hmm. Parce qu'on a toujours, on a toujours une pensée idolâtrique. On dit non, c'est comme ça. Dieu est blanc, Dieu est ceci. Alléluia. Le point, c'est pas fait de blanc de noir. Alléluia. Le noir n'est pas faux. Je ne veux pas rentrer dans ce dossier, je vais vous embrouiller un peu dans le jeu spirituel. Amen. Oui. Je veux qu'on reste à ce niveau-là. Amen. Oui. Jésus là est dans plusieurs couleurs. Yes. Alléluia. Yes. Si je veux, je porte bleu blanc. Si je veux, je porte blanc. Si je veux, je porte noir. Je porte, rouge. Yes. Je porte ce que je veux. Amen. Alléluia! Oui. Non, Dieu n'est pas limité à ça. Si un doctrine que vous entendez, vous dites ça, vous la suivez, cette doctrine ne vient pas. Et cette doctrine ne vient pas sujeter les gens. Parce que cette doctrine ne vient pas seule. Est-ce que les gens savent pas? La doctrine ne vient pas seule. C'est une doctrine qui finira pas grandir la vie chrétienne pour les gens.
On ne doit pas regarder télé. On ne doit pas s'embrasser. Moi, j'ai vu ça. On ne doit pas s'embrasser. Il y a un prophète, je ne sais pas, le Cameroun, quand il est venu au Cameroun, il a chauffé un peu. Il a dit non, on ne peut pas porter ballerine. Tu vois quel problème? Tu vois quel problème? Alors que c'est un prophète que nous, on suit personnellement. Je dis, mon ami, tu es notre enfant, tu es notre enfant. Arrête ça! Dieu t'a montré, toi tu vas, tu es ami de Dieu, tout le temps, toi tu vas au ciel, tu vas en enfer. C'est quoi? Comment ça se parle avec toi? C'est toi, c'est que Dieu envoie chaque fois au paradis, en enfer, tout ça là, c'est quoi? Arrête ça. Pas nous distraire. Amen. Amen. Comme les gens aiment les choses nouvelles, ils sont piégés. Tout ce qui est nouveau intéresse les gens sur la terre. Tout ce qui est nouveau, révélation, prophétie. Ah, tout mon coup, on veut prophétie, on veut prophétie, on veut prophétie. Le diable va vous donner prophétie. Vous voulez prophétie, non? Vous voulez? Vous aurez. Vous aurez la prophétie. La prophétie. Nous prophétisons en partie. Alléluia! Amen! Ce n'est pas prophétie qui sauve. La prophétie n'est pas la parole de Dieu. Exact. Vous comprenez? Amen. La prophétie a un cadre, a un cadre d'expiration. Ça, vous comprenez? Amen. La prophétie a un cadre d'expiration. Yes. La prophétie n'est pas éternelle. Si je dis, ah, ainsi par l'éternel, mon fils agit, je t'aime, je vais t'élever. Ce n'est pas pour toujours. Hein? Yes. C'est là pour toujours. Non. La même prophétie viendra, il nous a dit, agé, tu me déçois. Agé, pourquoi tu poignardes mon cœur? Elle va changer. Si vous passez votre foi sur la prophétie, vous allez vous faire garder. Mais la prophétie vous guide. Alléluia. Elle vous guide. Elle vous oriente. Mais elle ne peut jamais remplacer la parole. Au lieu de courir derrière les prophéties, courir derrière les prédications authentiques. Amen. Je vous dis la vérité. J'ai vu le ciel. Je vous dis, c'est faux. C'est trop faux même. C'est-à-dire, si on vous fait réellement le dessin de tous les. Tout le monde vient voir que c'est tellement. Et que les gens ont tellement avoir des mensonges. Tellement avoir des mensonges. Et les gens désirent les prophéties comme un besoin quotidien. À quel prophétie est sorti aujourd'hui? Quel prophétie est sorti aujourd'hui? Et il y a une échelle de prophétie. La prophétie vient de la parole prêchée. Écoutez-moi. La prophétie vient toujours de la parole prêchée. Amen. S'il n'y a pas de parole prêchée, la prophétie est fausse. Si quelqu'un n'est pas d'accord, la personne vient avec sa Bible, on va prouver. La prophétie vient de la parole prêchée. Parce que la Bible dit que nous ne professons pas la religion de la foi. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend, non? Amen. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de qui? De Dieu. De Christ. Yes. C'est parce qu'on a prêché la parole là que la prophétie est sortie là. Amen. Quelqu'un a donné qui a prophétisé? C'est quoi ça là? C'est quel genre de prophétie? La prophétie est donnée à l'assemblée, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. La prophétie est toujours donnée à une réunion, à une assemblée. La prophétie n'est jamais donnée à la maison. Écoutez-moi bien. Yes. Écoutez-moi bien. Ceux qui font ces bêtises-là, qui se répondent. Yes. Alléluia. Yes. La prophétie ne se donne pas à la maison, elle se donne à l'assemblée. Alléluia. Elle est donnée parce qu'on a prêché, parce qu'on a prié. Amen. Et Dieu parle, Dieu donne des orientations. Alléluia. Amen. Les gens restent à la maison, ils sont dans les coins, ils sont des points, ils ne citent pas le Seigneur, c'est quoi ça là? Quel Seigneur parle comme ça? Lisez bien Corinthiens 12, côté 13, côté 14, vous allez comprendre. Yes. Prophétie est donnée pour édifier. L'assemblée, non? Amen. Elle sentait qui? L'assemblée, non? Amen. C'est donné pour l'assemblée, non? Donné pour une personne. Amen. La prophétie est donc, c'est le don de l'église. Elle vient toujours de la parole prêchée. La prophétie vient toujours de la parole prêchée. La parole qu'on vous a prêchée, c'est de ça la prophétie sort. Donc une prophétie qui sort dans une église ne vous concerne pas. Vous comprenez? Amen.
Si on a deux églises, écoutez-moi bien, Jésus revient à Libreville ici. Et qui a une prophétie dans l'église de Libreville A, qui est ici. Et qui a une prophétie dans l'église de Libreville B, ailleurs. La prophétie de l'église B, de l'église d'ailleurs, ne nous concerne pas. Ça, vous comprenez? Ça ne nous concerne pas. Non! Non! De la même façon que la prophétie qui sort d'ici ne concerne pas l'église Jésus revient d'ailleurs. Alléluia! Amen. Pourquoi? La prophétie est donnée pour édifier. Yes. La prophétie est donnée pour corriger. Yes. La prophétie est donnée pour avertir. Yes. Et c'est parce qu'il y a une situation présente dans l'assemblée que la prophétie est sortie. Amen. Pour régler le problème de l'assemblée et non le problème de l'assemblée. Amen. Ça, vous comprenez? Amen. Maintenant, si la prophétie vient d'un ministère prophétique, c'est là c'est différent. Si ça vient d'un ministère d'office, de ministère de prophète, là ça veut dire que ça s'élargit sur le corps de Christ. Yes. Ça c'est un ministère bâti sur le corps, là c'est plus sur la communauté. Parce qu'il y a le ministère de la prophétie sur le corps de Christ, sur l'ensemble de l'église, il y a la prophétie qui concerne la communauté. Alléluia! Amen. Si ça vient d'un prophète ministériel, là ça peut concerner tout. Ça peut concerner tout. Vous comprenez maintenant? Amen. Parce que ça est un ministère d'autorité qui parle même de prophétie. Mais les prophéties que nous avons là, c'est pour la communauté. Donc toi qui écoutes des prophéties sur Internet, je ne sais même pas dans quelle communauté tu appartiens. Alléluia! Yes. Tu ne sais même pas la prophétie là, ça vient de quelle communauté? Qu'est-ce qui s'est passé? La prophétie est sortie. Tu ne sais même pas ça. Et toi, ton problème, c'est d'aller écouter ces prophéties, de manger ces viandes sacrifiées. Alléluia! Oui. La Bible appelle ça des viandes sacrifiées aux idoles. Les prophéties produites par Jézabel et sa troupe. Alléluia! Oui. Faites attention, s'il vous plaît. C'est tout ça qui vous embrouille. Qui parfois, lorsque vous venez à l'église, vous commencez par commenter le message de l'homme de Dieu. Parce que vous avez reçu une semence étrangère. Un feu étranger en vous qui vous perturbe, qui vous amène à raisonner, à tordre la parole qu'on vous a prêchée. Voilà, dit que la parole est quoi? Oui et amen. Pourquoi va? Ça peut être là? Non, oh non, non, on n'a pas dit ça. Au moins, j'ai vu une viande faire une prophétie qui dit comme ceci. Non, arrête ça. Arrête ça. Alléluia. Amen. Les révélations sont pareilles. Sauf s'il y a des révélations que tu étudies, vous dites, ah, sur cette révélation peut aider d'autres communautés. Là, on partage avec d'autres communautés. C'est comme ça. Mais tout vient de la foi commune. Toi, tu reçois la foi de la Sainte Doctrine. Mais une proposition, tu veux avoir l'âge. Et tu dis que tu as parlé. Tu es là-bas, tu communies là-bas. Tu communies là-bas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous communiez là-bas? Non. Non! Faites attention, s'il vous plaît. Faites beaucoup attention. Hein, Dieu n'a pas parlé aujourd'hui. Il n'y a pas professeur, Dieu n'est pas là. C'est quoi ça? La prophétie, en termes de connaissance divine, elle a plus petite. Si on va confronter la prophétie et la révélation a tendance à prendre le dessus sur la prophétie. Amen. Dis-moi, je vais vous enseigner sur ça. Alléluia! Amen. Donc, les étapes de la repentance, première étape, c'est la reconnaissance du péché. Comment reconnaît-on le péché? Vous savez, le combat du chrétien, c'est le combat de la lumière contre les ténèbres. Vous savez, la lumière qui est en vous là, les ténèbres ont tendance à venir éteindre un peu. Ce n'est pas du coup le diable réussit. Non. Il n'a réussi jamais du coup, jamais. C'est un peu. C'est ce que la lumière qui est en vous devient ténèbre. Lorsque la lumière qui est en vous devient ténèbre, que vous ne pouvez plus conserver le péché. Vous faites des choses pour vous, c'est que vous n'avez pas péché. C'est bon, c'est normal. Or, au début,
lorsque ça commençait, vous essayez de nuancer ça, de discerner. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc, faites l'effort, faites l'effort. Parfois, vous avez la victoire, d'autres fois, vous êtes vaincu. Et quand même, vous essayez. Mais après, lorsque plus vous tombez, ça va devenir une habitude pour vous. Alléluia. Ça va devenir une habitude pour vous. Et vous n'avez commencé pas à accepter comme une vie normale. Une vie normale. Et là, ce péché maintenant là est couvert par les ténèbres. Donc vous ne pouvez pas reconnaître ce péché. Il faut forcément un enseignement puissant pour dévoiler ce péché en vous. Alléluia. Amen. Quand on va dire aux gens que quand vous venez à l'église, vous amenez les sorties de vos maisons, vous donnez comme ça comme offrande. C'est ce que vous faites. Quand vous voulez demander pardon, vous demandez pardon, c'est d'avoir amené des animaux boiteux dans sa maison, des animaux aveugles comme sacrifice. Ne dis jamais ça. Parce que votre conscience est obscurcie pour ça. C'est ce qui vous laisse en poche pour vous amener, pour vous donner à Dieu. Oui ou non? C'est ça en fait, non? C'est ce qui vous laisse quand vous pouvez vous amener à l'église. Oh, c'est pas ça! Quand ça vient là, c'est Dieu qui prend d'abord. Et c'est ça qu'on amène à l'église. C'est Dieu d'abord et notre Dieu après. Ça reste de ses fins, regarde. Fais comme ça. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai donné. Alléluia! Ça, c'est un grand péché. Ce péché ferme la porte de bénédiction sur votre vie. Vous êtes fidèle dans ça, mais ça ferme les portes. Vous n'êtes pas béni. Donc, il y a des péchés. Lorsque la parole n'est pas révélée, n'est pas prêchée, là, ces péchés ne sont jamais dévoilés. Ça veut dire que la conscience de la personne est corrompue. La personne ne peut jamais identifier ce péché. Jamais. Donc, première chose, il faut reconnaître que tu as péché. Quand tu ne dois pas tout péché. Alléluia. Lui n'est juste. Il n'y a même pas un seul juste. C'est ce que la Bible dit. Tu es là seulement, tu péches. Tu dis que tu ne vas pas pécher, tu dois dans ton lit là. Tu fais plus même pour que tu couvertures ta tête, tu fais tout. Tu pèches encore. Le péché te poursuit. Amen. Reconnais que tu es péché. Donc, reconnaissant le péché. Deuxième chose, je reconnais, mais ça ne suffit pas. Il y a la confession. Alléluia. La confession te dit ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? C'est ce que Dieu a demandé à Caïn. Caïn s'est moqué de Dieu. Qu'as-tu fait? Seigneur, j'ai volé l'argent de tes péchés. Seigneur, j'ai violé le feu. Le feu rouge t'a allumé, Seigneur, j'ai brûlé. Ça, c'est le péché. Hein? J'ai insulté le président de la République. Le péché. Hein? Vous avez ça? J'ai mal parlé du ministre de l'Intérieur. J'ai insulté le policier sur la voie. C'est péché. Yes. Pourtant, vous ne confessez pas ce péché. Alléluia. Amen. Donc, confessez. La confession est importante. La deuxième étape, tu dois dire ce que tu as fait. Parce que, on dit, c'est en confessant de sa bouche. Tu n'as pas écrit le péché. Non, il faut dire. Amen. Tu viens entendre ce que tu as fait. Tu viens entendre. Pourquoi toi, tu entends ce que tu as fait? Pour voir réellement si toi-même là, tu es capable de dire ça. Quand tu fais honte, tu yes. pleures. C'est là que tu as rencontré ça pour pleurer. Allez bien. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça? C'est quoi ça là? Je ne ressens pas à Dieu. Je ne ressens pas la parole. À qui je ressemble avec ça? La confession. Alléluia. Amen. Alors, lorsque je confesse le péché, je confesse à qui?
D'abord, tout péché est contre Dieu. Vous comprenez ça comme ça? Tout péché est contre Dieu. Toujours. Tous les péchés sont contre Dieu. Tous les péchés. Mais tu parles mal à un frère, c'est contre Dieu que tu as péché. Parce que ton frère est l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu as péché, tu as créé trois grands problèmes. Ton péché a entraîné trois grandes conséquences. Première conséquence, c'est vis-à-vis de Dieu. Tu as créé un déséquilibre entre Dieu et toi dans la relation. Alléluia. Donnez-moi un chant, s'il vous plaît, un chant. Un chant de réveil. Donnez un chant de réveil pour réveiller un peu. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Je crois que le gouvernement nous a aidés au ciel.
c'est pas bon. Alléluia. Amen. J'ai dit le gouvernement nous a aussi aidé. Parce qu'on m'a montré une autre service, on a dit que le couvre-feu est repoussé à 2h. C'est de 2h à 5h, c'est ça non? Effectivement. C'est de 2h à 5h. J'ai vu le communiqué ce matin. Donc c'est à partir de 2h. 2h du matin. Voilà, donc on va finir dans moins de 30 minutes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens font couvre-feu sur la terre pour restreindre les libertés, pour restreindre les mouvements. Et vous ne pouvez pas faire couvre-feu pour le péché. Hein? Alléluia! Amen. Nous allons prier. Amen. Nous allons continuer l'enseignement demain. Demain, c'est le grand jour. Demain, là, ça va souffrir. Amen. C'est la veillée. Demain, il faut vraiment te préparer. Et nous allons beaucoup, beaucoup souffrir demain. Mais ce soir, on va commencer déjà. Amen. Allez! Tu vas faire cette prière. Tu vas dire Seigneur Jésus. Répète avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu m'as enseigné. Tu m'as enseigné. De te suivre. De te suivre. D'être ton disciple. D'être ton disciple. D'être la lumière de ce monde. D'être la lumière de ce monde. D'être le sel de ce monde. D'être le sel de ce monde. D'être mon modèle pour ce monde. D'être mon modèle pour ce monde. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dans ma marche. Dans ma marche. Dans ma relation. Dans ma relation. Avec toi. Avec toi. Dans ma relation. Dans ma relation. Avec mes frères. Avec mes frères. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai mal agi. J'ai mal agi. Je n'étais pas suivi. Je n'étais pas suivi. J'ai rejeté tes enseignements. J'ai rejeté tes enseignements. J'ai rejeté tes commandements. Je t'ai haï. Je t'ai haï. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'ai haï. Je t'ai haï. Par mes actes. Par mes actes. Même si dans ma bouche. Même si dans ma bouche. Je dis je t'aime. Je dis je t'aime. Mes comportements. Mes comportements. Mes faits. Mes faits. Mes paroles. Mes paroles. Montre que je te déteste. Montre que je te déteste. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te prie. Je te prie. Je te prie. Je te prie. Pitié pour moi. Pitié pour moi. Pitié pour moi. Pitié pour moi. J'ai agi en insensé. J'ai agi en juge. Je me suis insurgé en juge. Et je juge les autres. Ce que les autres font mal. Je les juge. Mais moi-même. Je me parais pur devant les autres. Seigneur Jésus, je suis un menteur. Je suis un hypocrite. Seigneur Jésus, mes mains sont sales. Mes mains sont souillées. Mon cœur est rempli de péché. Mon cœur est rempli d'hypocrisie. Mon cœur est rempli de haine. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes ces choses que j'ai érigées dans mon cœur. Seigneur Jésus, j'ai critiqué les frères. J'ai critiqué le pasteur. J'ai critiqué la femme du pasteur. J'ai critiqué les intercesseurs. J'ai critiqué les chants.
Seigneur Jésus, j'ai préféré le monde que la souffrance, la souffrance, la souffrance de la croix. La souffrance de la croix. Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Seigneur Jésus. Le péché va ruler. Le péché va aller à Jésus.
Seigneur, regarde. Regarde comment je suis devant toi. Regarde comment je suis détruit devant toi. Regarde comment je suis mis devant toi. Le péché m'a déshabillé. Le péché m'a déshabillé. La négligence m'a déshabillé. La nonchalance m'a déshabillé. Le retard dans l'œuvre m'a déshabillé. Le désintérêt dans l'œuvre de Dieu m'a déshabillé. Seigneur, pitié. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Seigneur Jésus, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Je suis maudit à cause du péché. Je suis malade à cause du péché. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Péché des ténèbres. Péché de la mort. Péché de la sorcellerie. Péché du péché. Dans ma vie est abominable. 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 Abominable.
Que la main rend tout ce qu'elle a prêché. Que la main promet tout ce qu'elle a prêché. Que la main rend tout ce qu'elle a prêché. Allez, 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 allez. Oh, mon Dieu, Jésus, nous avons pris. Oh, mon Dieu, Jésus, nous avons pris. Tu vas prier, tu vas invoquer le sang de Jésus sur ta vie. Tu as dit sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Là où la mort est passée. Passe par là maintenant. Et apporte la vie. Prie au nom de Jésus. Sang de Jésus. Là où la mort est passée. Là où la mort est passée. Alléluia, tu ne peux pas, parce que le péché, tu ne peux pas gérer le péché. Amen.
nous allons porter le fardeau devant le Seigneur et le Seigneur Jésus va te restaurer. Amen. Amen. Donc demain, de 10h à 14h, nous sommes ici pour écouter l'entretien. Amen. Et demain, c'est vendredi, dans la soirée, voilà, c'est la soirée de la grande veillée. Demain, ça va chauffer. Amen. Demain, soyez nombreux, venez demain pour la grande nuit de prière. Demain, nous allons prier jusqu'à l'aube. Nous allons faire tout ce prière. Nous allons profiter, déclarer. Nous allons casser, nous allons renverser, nous allons restaurer. Amen. Quoi qu'il y ait des situations spirituelles dans les crimes demain, le Seigneur va te guérir, le Seigneur va te libérer. Donc, vous êtes convaincus tous demain à partir de 22h. De 22h jusqu'à.
donc dimanche, le grand culte, invitez tout le monde. Ce soir, vous êtes venus seul. Tenez si quelqu'un est venu seul pour vous accompagner. Alléluia. Vous avez des parents, vous avez des parents. Et de ce qu'on est évangélisé, à la prière, à la prière, confiez-les, appelez-les encore, chose, vous appelez pour qu'ils viennent. Amen. Donc, on doit être la raison pour bien là, à la prière. Donc, on doit les appeler encore, même le soir à la prière, pour les rappeler, pour les appeler au programme. Amen. Que le Seigneur Jésus bénisse chacun. Tenons debout dans tout. Seigneur Jésus, reçois ta gloire. Seigneur, je te dis, je te dis, Seigneur, à chaque fois, à chaque fois, dans le sens, reçois ta gloire. Je te dis, nous t'avons parlé, toi, nous t'as parlé. Seigneur, nous t'avons trahi, ton Dieu est resté fidèle. Seigneur Jésus, ton amour, qui est si grand, se manifeste encore ici, se manifeste encore dans nos vies, Seigneur. Tu nous as dit, si nos péchés sont encore ramassés, ils sont encore de la neige. Alors c'est toi qui nous appelle à la paix d'avant. Nous sommes venus, papa, à la table de la négociation. À la table de la négociation avec toi. Simplement situé en plein ciel,
en revenant de la passerelle de plein ciel, il y a le couloir de Gabon Store. Donc, dans le couloir de Gabon Store, l'église est juste après la clinique qui est à la traversée tout simplement de ce couloir. Donc, le numéro de l'église répond au 077 90 85 15. Je réponds 077 90 85 15 ou le 066 89 01 54. Je réponds 066 89 01 54. Voilà, donc, voilà, vous pouvez contacter aussi, bien que vous serez gentiment, pour qu'on vous dire précisément. Donc, je vais vous dire, quand je dis, nous rappelons que nous avons un camp de prière, mais en attendant, il y a des entretiens, comme lors de l'Église, à partir de 9h jusqu'à 14h. Donc, il y aura des entretiens ou qui avaient des problèmes personnels, des problèmes spirituels, des problèmes d'ordre de la foi, peut-être aussi des problèmes d'ordre doctrinal. Vous êtes conviés à venir pour que vous soyez édifiés dans la sainte doctrine. Donc voilà, shalom, shalom.